Parlons cette fois-ci de la gratuité de l'enseignement primaire, cette réforme phare dont le sous-secteur de l'EPST n'est pas l'apanage du chef de l'État ou des individus. La contribution des uns et des autres est plus que nécessaire. C'est dans cette optique que la fondation Capibache est venue en aide à plusieurs centaines d'élèves des milieux défavorisés de la ville de Mbujimayi. École primaire d'Imouka, quartier Dubaï, commune de Lakanchi. C'est dans cette école qui accueille généralement les enfants des créseurs artisanaux que la fondation Capibache a choisi d'alléger la souffrance des parents. Ses représentants en Mbujimayi s'y sont amenés les bras chargés des fournitures scolaires. De leurs mains, chaque élève a reçu des cahiers et des stylos, des objets classiques très précieux pour nombre d'élèves dans cette école. Par manque de fournitures scolaires, nos enfants ne savaient pas aller à l'école. Nous sommes très heureuses que maman Capi, qui vit très loin, ait pu penser à eux. Les enseignants, les directeurs de l'école, ainsi que le chef du quartier, ont eux aussi bénéficié de la générosité de Béatrice Kapina Bachala, responsable de la fondation Capibache. Après Dubaï, les émissaires de la fondation Capibache ont été reçus à l'école primaire Tuyakumpala, au site Bachala, dans la commune urbano-rurale de Bipemba. Ici, les élèves étudient dans un dénuement total. L'aide de la fondation Capibache arrive à point nommé, explique un parent, établi sur ces sites depuis le refoulement du Shabbat. Nos sincères remerciements à maman Capi. Nous avons reçu des cahiers, des bics, des tôles et des clous pour l'école de nos enfants. Qu'elle ne s'arrête pas là. Spécialisée dans les œuvres caritatives, Capibache s'emploie à accompagner la gratuité de l'enseignement primaire au Kasaï oriental. Les dons que nous venons de faire aujourd'hui, c'est pour les encourager à étudier. Et ces dons sont venus aussi des autres enfants qui ont souffert l'autre fois. Et Capibache est là, elle demande aussi l'aide du gouvernement. Nous demandons aussi l'aide de personnes de bonne volonté. Nous félicitons aussi Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo pour la gratuité de l'enseignement. Et dans ça aussi, nous sommes là pour l'accompagner.